dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, l'antiremo. Bonsoir à tous, ici Sorax et donc aujourd'hui nouvelle vidéo, épisode 6 et cette nuit j'ai dormi dans mon lit tout confortable que j'ai fabriqué au dernier épisode. Donc aujourd'hui on a un petit peu plus de temps pour nous faire notre petite cabane si je me rappelle où je l'ai mise. Je crois que c'était par là. Alors voilà, j'ai retrouvé notre cabane. Alors, j'ai réfléchi un petit peu comment je pourrais faire ça. Et justement, je voulais voir à peu près, j'étais à combien par rapport au bord. Et donc, je vois que c'est tout à fait nickel. Ouais, c'est nickel. Donc là, bah, on va finir notre petite maison. Donc, je vais arrêter tout de suite, je vais faire une petite ellipse. Me voilà de retour. Petite ellipse, je viens de me rappeler que en fait j'avais oublié de faire un petit truc qui m'aurait tout simplement fait un gros fail, car ma mémoire du disque dur était trop grande due aux vidéos précédentes. Donc j'ai dû supprimer les vidéos faites par Fraps et je garde ceux encodés bien sûr. Voilà, donc là, bah, petite maison sympathique sur pilotis, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode. Alors ça va être très beau, hein. Je suis pas quelqu'un qui aime faire des trucs moches. Voilà, donc là, on va mettre tout de suite nos petits escaliers qui vont nous permettre de monter directement sur la maison. Voilà, on va mettre des blocs de bois pour pas que ça fasse trop moche. Voilà. Voilà, bon, je vais pas me suicider, hein. Ça serait bête et dommage. Voilà, donc la petite base de notre maison qui se fait tranquillement. Voilà, on finit avec prouesse notre petite base. Et donc là, bah, on va faire la petite base. Ah, j'ai oublié de mettre mes pilotis là-bas. Donc bah, ça va être dur de compter là par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on va éviter de se suicider, hein, les amis. Ce serait dommage. Hop, et je me suis complètement fail encore une fois sur ce coup. Allez, oh là là. Bon, bizarrement sous l'eau ça a du mal à se casser, hein, ces petits pilotis. Allez! Ah, voilà. Bon, on va essayer d'éviter de refail, hein. Ce serait mieux, hein. Voilà, on met nos... J'ai remarqué que sous l'eau, du mal, hein, quand même, à casser les blocs, tout ça. C'est un peu dommage, je dirais même. Voilà notre petite base qui se fait petit à petit. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Ici. Et donc c'est ici. Hop, hop. Bon, aujourd'hui, petite vidéo sympathique pour faire notre petite maison. On va voir ce que ça donne.
Alors ça peut paraître ennuyant pour certains parce qu'il n'y a pas trop d'action, c'est un petit peu lent, c'est pas top. En plus on est dans l'eau, donc c'est pas l'endroit le mieux approprié pour faire ce genre de maison, bien sûr. Mais c'est assez original et donc j'aime bien. Tout ce qui est original, j'adore ça. Ah ouais, si vous voulez, je peux faire plein de petits accents, hein. J'aime bien faire l'accent marseillais des fois. J'aime bien aussi faire l'accent un petit peu de la mafia, comme ça. Donne-moi ton bloc, sinon je t'éclate la gueule. Voilà, donc tout des trucs comme ça. Donc vous allez peut-être souvent m'entendre faire des voix assez stéréotypées de personnages, hein. Comme vous voyez, j'aime bien aussi faire le communiste. Alors bon, vous me direz, je sais même pas si j'ai le droit de dire communiste sur YouTube. Bon bah si YouTube pourrait me le dire, ça serait vraiment sympathique. Voilà. Donc la petite base qui se fait tranquillement. Le problème c'est que on est dans l'eau et comme je vous l'ai dit, l'eau c'est ça mouille. Ah c'est dommage, en plus on n'a pas les textures de l'eau qui mouille. Oups da. Alors est-ce qu'en étant sous l'eau ça... Ouais bon, c'est à peu près pareil, hein. Donc en fait les blocs qui sont en dehors de l'eau. Oh là là. Excusez, il y a eu un petit bug de son pendant... Voilà. Bon. On a bientôt fini. Finissons-en vite. Alors d'ailleurs, l'accent russe qui est très bien réalisé par notre cher JC Fag. Alors je fais un petit peu de pub pour lui pendant que j'y suis, hein, c'est... Entre Minecraftiens, on se respecte. Aussi, j'ai oublié de dire... J'oublie beaucoup de choses, je sais. Que nos vidéos, enfin mes vidéos ne seront pas à but tutoriel, allez voir The Fantasio. Voilà. The Fantasio 974 qui a fait de très bons tutoriels. Alors voilà que j'avais dit que j'allais pas faire de pub pour les autres. Et ben je vais en faire quand même parce que je me suis dit, il n'y a pas de raison que je les élimine de ma chaîne YouTube. Et si on commence comme ça, on va jamais avancer, et la communauté Minecraftienne FR sera tout simplement comme la communauté de Starcraft, c'est-à-dire des gros rageux qui ne pensent qu'à leur gueule, et donc c'est pas du tout ce qu'on veut sur Minecraft, hein. Voilà, donc là je me fais ma petite maison tranquillement. Bon, peut-être que je vais finir la base aujourd'hui. Si la base est finie aujourd'hui, on va sans doute dans le prochain épisode l'aménager. Donc je vous montrerai des petits conseils de déco. Et en fait je viens de me rendre compte que ça va pas être assez grand. Voilà, donc bon, j'aurais fait par deux blocs, hein. Alors là par contre en longueur, enfin on peut dire en largeur je suis à 8 et en longueur j'ai l'impression que je suis à 9. Bon ça limite c'est pas trop grave. Voilà, donc on aura une double porte, hein. Et donc là bah, j'ai l'impression qu'on pourra à peu près faire ce qu'on veut. Donc nous allons prendre nos petites marches. Alors pour ceux qui regardent à peu près les vidéos de The Fantasio, vous comprenez, je l'espère, le principe de ce que je suis en train de faire. Donc je fais mon toit. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre comme ça, c'est pas super top. En plus je crois que là comment je le fais, c'est pas le mieux, puisque vous voyez que je le fais dans la largeur et donc c'est pas super. Aussi j'ai une petite préférence pour les toits assez plats, donc on va voir ce que ça donne sur une maison comme celle-ci, hein.
des toits plats avec du verre au-dessus. Bon, un autre bloc à détruire. Donc j'ai pour habitude de faire 3 ou 4 étages de marche. Et la nuit tombe déjà. Donc je crois que je vais m'endormir et que vous aurez une vidéo supérieure à 15 minutes. Et oui, parce que moi j'ai cette chance ultime de faire des vidéos supérieures à 15 minutes. Donc dès que la nuit tombera vraiment, j'irai faire un petit somme. En plus j'ai l'impression que quand on se réveille il est midi. Je sais pas pourquoi, faudrait que je me renseigne. Bah on va même se renseigner tout de suite en allant se coucher. Parce que j'ai pas l'impression que ça fait 10 minutes que je vous parle. Donc bon, en attendant, parlons de la chaîne YouTube et de son évolution. On est à 16 abonnés au moment où je tourne, donc c'est plutôt un bon point par rapport à ce que j'avais il y a 3 jours. 3 jours j'étais à 3 abonnés. Là on est à 16. J'ai fait un petit peu de pub au lycée, donc j'ai fait un petit peu de pub au lycée et les gens aiment bien. Enfin les gens. Mes amis aiment bien et tout simplement ça me donne plus de vues. Voilà, donc un petit somme. Voilà. Bon, alors nous allons tout de suite vérifier l'état du jour. Le soleil est là-bas. Donc, on peut en déduire que le jour fait moins de 10 minutes à ce moment. Je dirais que le jour fait plus que 7-8 minutes quand on va dormir. Donc c'est pas super rentable. Voilà, ma petite maison qui se fait petit à petit. Alors c'est pas moche, hein. Bon, bien sûr, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de trou. Mais ça va arriver. Allez, technique de l'ascenseur. Oh, bug de clavier. Ah, refaire 15 fois la même chose, c'est pas top, hein. Voilà. Donc je mets des blocs de bouse. Je vais pas vous apprendre à faire des maisons, hein. Vous pouvez juste en fait en les faisant, je pense que je vous apprends quand même un petit peu comment faire une maison. Une belle maison, hein. J'ai même découvert que beaucoup de personnes faisaient des trucs cubiques encore, et même si The Fantasio fait des petits tutos avec notre cher Bob Lennon, que tout le monde connaît et que tout le monde adore. Hop, hop. Et donc, normalement, ça devrait plus trop se faire. Voilà. Bon, ça fait vraiment un petit toit. Est-ce que j'en fais un quatrième? Je pense que oui, en soi, me paraît tout à fait légitime comme décision. Ouais, j'aurais carrément dû peut-être prévoir un peu plus de bois, je suis pas sûr. Pendant que je fais ça, de quoi je peux vous parler d'autre qui pourrait être sympa? Ah oui, donc j'ai découvert une chaîne il y a pas très longtemps et franchement je l'adore. Pourquoi je l'adore? Puisque le mec a inventé le mode hardcore pour Minecraft. Alors le mec fait vraiment stresser dans toutes ses vidéos, donc j'ai pas regardé la dernière parce que j'ai un emploi du temps qui me permet de le regarder plus tard. Tout simplement parce que pendant l'encodement, je peux faire des trucs. Et donc, je le fais. Voilà. Et donc, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est Minecraft Hardcore, je crois, hein. De toute façon, je mettrai sans doute le lien dans la description. Hop. Bon, cette vidéo sera sans doute plus grande que 15 minutes, hein. À moins que je décide de couper quelques passages pas super, la vidéo va durer sur 20 minutes, hein. Ça, c'est inévitable. Et donc là, je pensais que j'allais me casser la figure, mais non.
Donc là, la maison a terminé, est terminée pour la base. Donc, je vais pas vous montrer comment je récolte du sable. Hein. On va tout simplement fermer cette maison. Et voilà, donc vous voyez, c'est une maison sympathique, pas trop grande, pas trop petite. On pourra y vivre tranquillement. Et donc, regardez ce que je fais. Je fais ça. Ça va faire un peu beaucoup de vitres, mais si je décale encore de 1, ça va faire pas assez de vitres. Donc, on va laisser comme ça. Vaut mieux avoir plus de lumière que pas assez. Et bien sûr, je n'ai plus de bois. Donc, bah maintenant, ce qu'on va faire jusqu'à la fin de la journée, on va récolter du bois. Je vais prendre ma hache, c'est plus pratique. Oupda, et voilà. Vous voyez, je suis Yamakasi. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film, ce sont des personnes qui sautent sur les immeubles. Alors, vous me diriez aussi que c'est quoi ce film de Mazo de Mazo, parce que si on se casse la gueule d'un immeuble, on a un petit peu mal, et c'est un peu ce qu'ils cherchent, je pense. Hein. Donc, vous voyez, c'est une petite maison sympathique, avec son petit escalier sympathique. Et pourquoi pas, plus tard, partir à l'aventure par cette mer. Pourquoi pas, pourquoi pas. Des projets. Va-t-on les réaliser? Hop, on fait nos planches. Et puis après, bah, je vais arrêter quand j'aurai terminé mon petit truc avec mes planches. Mon petit trick avec les planches. Voilà. Donc je vous explique un peu comment ça va se dérouler. On aura toute une lignée de verre ici, donc pour de la clarté. On aura du verre là. Je vais creuser là, là et un bloc ici pour avoir du verre. Alors je sais pas si je vais faire ça. Je vais voir si ça rend plus beau ou quoi. Pareil de l'autre côté, hein, du verre. Et je vais faire une fenêtre de 6 ou 4, hein. Là je dirais plus 6. Ici une fenêtre de 4 ici. Et puis bah ça va déjà être assez, il y aura assez de fenêtres. En dessous je mets pas de fenêtre, même si ça aurait pu être sympa de voir un peu le milieu sous-marin. Donc on sait-on jamais, peut-être une fenêtre quand même. Et puis voilà. Ici il y aura des portes, d'ailleurs je vais les faire tout de suite. Voilà, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà. Bon, excusez-moi, j'étais coupé, c'est pas grave, continuons. De toute manière, j'allais bientôt finir la vidéo, donc vous avez entendu une voix toute aiguë et mélodieuse, c'était ma maman. Enfin, peut-être que vous l'avez entendu, peut-être que non. Sa voix n'a pas fait trembler mes vitres. Voilà, la maison est terminée. Enfin, terminée. Je vais récolter du sable et je vous montre ce que ça donne au prochain épisode. Et au prochain épisode, bon, ça sera pas de la construction. On va chercher les grottes naturelles. Limite, on m'a dit que ça vous faisait chier. Donc je sais pas ce qu'on pourrait faire au prochain truc. Peut-être que vous avez une idée. Peut-être que non. On va aller sans doute à la recherche de ressources, c'est-à-dire du mouton. Pas de... Tiens donc. Avez-vous entendu ce bruit comme moi? Ce bruit me fait un petit peu flippé. Aurait-on un donjon sous notre pied? Espérons que non. Donc d'ailleurs ça me fait penser, je vais un peu éclairer, hein, pour la nuit, hein. Voilà, donc on éclaire un petit peu. On sait jamais
on pourrait avoir de mauvaises surprises. Voilà pour ceci. Et donc on ferme la porte. Et donc bah là on va retourner au petit abri et on va se dire au revoir. Alors vous aurez remarqué aussi que j'ai pas replanté l'arbre, j'ai pas pensé sur le coup, ça m'est pas venu à l'idée. Ah, tiens, je vais replanter l'arbre. Ouh, j'ai failli me faire mal ici. Voilà, donc on va rentrer à la maison, enfin à la maison, à l'abri de fortune, parce que j'ai pas envie tout simplement de me faire défoncer par. Ok. Fail. Tiens, je vais faire un petit single avec le fail. Ça peut être sympa. Avec un fail. L'ascenseur magique. Et nous voilà en haut. Donc j'entends une poule. As-tu pendu un œuf près de chez moi? Oh, une vache. Bon. Je vais la tuer et puis on va se dire au revoir sur ce magnifique assassinat de produits laitiers tout frais. Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis si vous avez bien aimé, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas. Postez des commentaires, c'est toujours sympathique. Et puis j'aime bien avoir un peu votre avis. Si vous avez des idées pour mes vidéos, vous pouvez m'en faire part. N'oubliez pas aussi de m'envoyer vos maps, parce que j'en ai toujours pas reçu. Donc c'est, j'avais dit au début que ma chaîne Minecraft, le truc Minecraft que je faisais, c'était pour vos maps et pas forcément pour la mienne. Là vous allez voir toutes mes constructions et le but c'était de voir les vôtres. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.